Ça, c'est une chose. Je fais de la magie extraordinaire. Où avez-vous trouvé ce beau chapeau? Tu devrais songer à devenir mannequin. Vous avez fait parler de vous récemment, pas vrai? Ces chaussures sont superbes. Oh, ouais, c'est coquin. Choisissez-vous un nom. Purée, bah quel accueil. Ah vache, salut tout le monde, c'est Jack Tarsonis et apparemment les gens dans Bowerstone m'aiment bien. Bon. Oh la vache. Ouais, terrible. Donc, c'est bon de vous revoir. Comme j'avais dit, sur cette session-là, on va faire les missions secondaires qui sont apparues quand on est... Faut toujours qu'ils viennent vendre des trucs ici. Eh, tu dis pas de mal des gitans, sinon qu'ils m'ont récolté et tout. Recueillir. Non mais démarre pas. Bon, fuck. Vous avez quelque chose de mystérieux et de magique. C'est la barbe. S'il te plaît, grand héros. Bon, je me fais agresser par tout le monde. En plus, j'ai le son qui est un peu fort. Du coup, j'arrive pas à me concentrer. Donc oui, j'avais dit qu'on allait faire secondaire. Donc on va faire les quêtes secondaires. Par contre, avant, je tenais à rappeler quelque chose. En ce moment, j'ai de nouveau beaucoup de demandes d'amis sur la Xbox Live, sur Steam et sur, vous savez, sur Steam. C'est déjà pas mal. Et je tiens à rappeler que je n'accepte aucune demande d'amis sortie nulle part. D'accord. Si je commence à accepter tout le monde, je vais être dérangé toutes les 30 secondes. En plus, j'ai pas forcément le temps ni forcément l'envie de vous parler de via ce genre de... Comment s'appelle ? Non, pas vraiment de système, mais bon, enfin bref. Je préfère dans ces cas-là utiliser le système de commentaires ou de messages privés ou ce genre de choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que je peux vous répondre quand je veux. Je suis quasiment sûr et certain que je répondrai à chaque fois. Non, même pas à part. Enfin, si. Si vraiment des fois je suis fatigué ou que j'ai tout simplement zappé de vous répondre. Mais si vous avez des questions ou quelque chose à dire, je vous répondrai toujours par ce moyen-là. Mais je ne veux pas accepter de gens via Xbox Live ou quoi que ce soit. C'est une question de tranquillité, tout simplement. Voilà, j'espère que ce sera clair, que vous comprendrez. Et voilà, quoi. Je tenais à remettre ça au point. Parce que voilà, quoi. Bref, bon, maintenant que ça c'est fait, on va choisir une quête secondaire. Je vais pas faire tout de suite la quête du... Comment ça s'appelle ? Jit. Bref, du capitaine machin, bref. Je crois que c'est Jack Beer qui s'appelle le mec en plus qui a donné le machin. Donc quelque chose dans le genre. Alors, Rescousse de Charlie, c'est le premier qui lui tombe sous la main. Mamie Miggin, c'est folle d'inquiétude au sujet de son petit-fils Charlie. Bah, allons-y. Quand j'y tends, Rescousse de Charlie. Ok. Alors, le temps de chargement me rappelle aussi que, des fois en ce moment, j'ai tendance à oublier de vous appeler les temps de chargement sur certaines vidéos, tout simplement parce que, combien de temps que c'est des vidéos longues, parfois je tombe pas sur un temps de chargement que sinon j'aurais vu si j'avais fait une vidéo un peu plus courte. Enfin bon. Enfin, je fais des vidéos longues. J'ai des vidéos plus longues. Le retour. Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Non. Cette fois-ci, j'ai évité d'appuyer sur la touche rouge. Pas touche rouge, je... B. Tout le monde connaît votre droiture et votre sens moral. Bah attends. Tiens, il se passe quoi par ici? Ah. Salut, mamie. Charlie? Charlie, c'est toi? Non, c'est pas Charlie. Oh, ce n'est pas mon pauvre petit Charlie. Manifestement. J'ai amené mon petit-fils adoré au lac de Boer pour son anniversaire. Il aime tellement les pique-niques. J'ai tourné le dos une seconde et il n'était plus là. Vous devez le retrouver. Oh, pitié. Il est sans défense. Bah, allons-y. Oh, merci, mon cher. Merci. Il est parti en disant qu'il allait explorer des grottes. Oh, encore à jouer les aventuriers, bien sûr. C'est imbécile. Il aura peut-être peur en vous voyant. Alors prenez ce mot, afin
afin qu'il sache que vous êtes un adulte en qui il peut avoir confiance. Moi, non. Ce nom ne vous va plus. Lettre Mami Miggins. Info. Cher Charlie, je t'en prie, suis cette personne et essaie de ne pas avoir trop peur, ta mamie. Bon, ben allons-y. Alors ça tombe bien que la gamine a fait une remarque sur le moineau. J'ai eu un commentaire disant que le titre collait plus trop au personnage maintenant. Et c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai pas envie d'en mettre un autre. Ils me disent rien les autres. Ils sont pas spécialement géniaux. Peut-être plus tard, on verra. Si jamais un jour j'ai vraiment envie, mais bon. C'est pas une question du prix non plus, étant donné que j'en ai des gratos, mais... Voilà. Bon, est-ce que je pourrais descendre, s'il vous plaît? Merci. Descends. Voilà. Alors, oh bah tiens. Donc comme vous avez pu le voir, faut remarquer... La grotte qu'on va aller explorer était à la base enfouie sous l'eau. Il y avait une espèce de mini-lac avant cet endroit-là. Et maintenant c'est plus le cas. Oups, pas sûr de ce que je voulais faire, mais hop là, le lapin. C'est l'heure de la chasse au lapin. C'est mon côté Bugs Bunny. Avec Zuni, comment ça s'appelle? Green Toon? Cartoon? Bon. Trésor! D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose d'assez important dans cette grotte. Enfin, c'est important. C'est extra. Je crois qu'il y a une gargouille qui restait dedans. Je sais plus si j'avais déjà tout ici. Bon, on verra bien. Tombeau des héros. Alors. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hein? Bon, je présume que c'est le campement de l'autre zinzin. Ben, il s'est pas censé être un gamin? Ça va être son petit fils, salote. Hein? Bon, peut-être pas maintenant, je présume. N'aie pas peur, le chien. Ah, ah. Là, tu peux avoir peur. N'aie pas peur, squing! Ah, oh. Maintenant, tu peux avoir peur. Ah, j'ai encore le... fusil à tourelle. Bon, on va l'utiliser un peu, tiens. Ça changera. J'ai vu une porte dans le fond. Est-ce qu'on peut y aller? Je présume que non. Cette porte est fermée. Bah tiens. Et dire que j'ai attendu à Scylla rien faire pendant des siècles pour voir ça! Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est bien ce que je disais. Il y avait une gargouille cachée. Peut-être même deux, hein, on va savoir. Trésor. Où c'est le trésor? Oh, ouais, c'est ça. Ah, j'ai entendu quelque chose. Mais bon. Le trésor avant tout. De toute façon, les personnages importants sont invulnérables en jeu, alors... Ah voilà, ça dévite réglé. Ah, ami explorateur, c'est une véritable aubaine que vous soyez là. J'aurais besoin d'aide. Une minute, qu'avez-vous là? Cette écriture... Non, ce n'est quand même pas... Donnez-moi ça! C'est calme, là, Grand-mère, j'aurais dû m'en douter. Je m'appelle Charles. Charles, et je suis moi-même un grand aventurier. Oh, elle me fait sortir de mes gonds. Vous supporteriez d'avoir une vieille femme sans arrêt sur le dos, vous? Quoi qu'il en soit, vous m'avez l'air digne de confiance. Peut-être pourriez-vous nous aider à ouvrir ce satané coffre? Chaque fois que j'approche du but, ces saletés de zombies apparaissent, et ces monstres cherchent à me démembrer sauvagement. Auriez-vous l'extrême gentillesse de retenir ces brutes pour moi? Dès que je m'approcherai du coffre, les cadavres ambulants commenceront à nous attaquer de toutes parts. Ta
tâchez de les retenir pendant que j'applique ma magie sur la serrure. Amusant, non? Des mages en plus? Bon. Attendez, parce que... Distance... Voilà. Parce que, hein, s'il s'agit de horde de zombies, on va peut-être passer chez les plus lourds. Par contre, capacité, est-ce que je peux mettre force? Est-ce que je peux mettre dans la force? La force. Oui, Luc, écoute la force. De la vigueur? J'ai rien à péter de la vigueur. Économie. Alors, encore? Ah bah oui, effectivement. Taillon, ils arrivent! T'inquiète! Boum! Ah, en plus, je me les fais tous. Ils ont pas le costaud en fait. S'il était vraiment pas du tout, la première attaque, ils auraient acheté. Bah, c'est bon, j'ai tué l'autre, non? Wow! Attendez, parce que l'autre là il me fait un coup de. Je prépare un truc chelou. C'est un truc poussé magique. En fait, c'est un peu comme un Skyrim quoi, il y a les. Les espèces de seigneurs squelettes qui. Qui font très mal. Tout simplement. Merde! Touché. Dégagez de moi. Laissez-le tranquille, bordel. Couché. Non, pas couché. Il a couché. Ah bah il a couché. D'expérience bonus, ouais ben c'est pas grand chose pour le massacre que j'ai fait, je trouve. Bon, je suis pris un ou deux coups, mais ça comptait pas, c'était des squelettes avec des sorciers et tout. Coup de main par ici. Ok, et tu veux quoi? Spectre. Respect. C'est moi en plus qui dois ouvrir le coffre. Putain, t'es chié. Message des pillards. Info. À qui trouva cette lettre? On est vraiment désolé, mais il semblerait qu'on ait accidentellement déclenché une malédiction sur cette tombe en ôtant le Necronomicon du cercueil. Non, c'est Normanomicon, désolé. J'ai tout le temps à dire Necronomicon, parce que j'ai l'habitude. Cercueil, nous... Vous ferez mieux de filer en vitesse cordialement, Max et Sam. Encore ces deux-là. Mince! Oh, je l'avais pas vu venir, celui-là. Même eux l'ont pas vu venir, je crois, en fait. Wow! Oh là là! On s'est fourré dans un sacré pétrin! Mais on va montrer à ces horreurs ce qu'on a dans le ventre! Je vais montrer à ces horreurs ce que j'ai dans le ventre! Parce que toi, pendant ce temps, tu vas faire ta fillette et courir dans tous les sens. Là, y a un peu de bague, comme le verra. Allez, on dégage! Boum! Ça, ça a même pas tué, ça a complètement traversé, quoi, sans foirer. Allez, on dégage, on dégage, on dégage. Ah, vraiment, moi je trouve que les armes qui font vite, y'a rien de mieux. Un petit peu l'aider, on sait jamais. Après tout, c'est nous le héros, on va sauver tout. On commence quand même à en avoir un peu beaucoup là. On tient un petit peu de temps, ça viendra peut-être un peu.
tuer. Et... adieu. Il chante avec sa magie, on est connu. Ah bah. Bonne adresse. Oh, le chien. Bon. Pas d'entrée en matière. Dommage qu'il fait pas plus, plus fusil à pompe, quoi. Vraiment. À tirer à travers les bus, surtout. Touché! J'adore faire ça. Vraiment. Ah, je crois que le chien est un peu bobo. Toutou, Captain Obvious. Petit. Oui, c'est mon Toby, hein. Pourquoi il me l'affiche pas, le truc? Ah, oups. Désolé, chien, ça prendra un peu de temps. Moi, je te soignerai. Oups. C'est vrai, tiens. Soigné. T'es le chien. Bon, j'ai un peu fait des choses bizarres à Charles, mais... pas grave. Ah, mais oui, c'est pour ça qu'il a insisté sur le Charles, c'est parce que sa mamie arrête pas de l'appeler Charlie. Il fait quoi, le chien? Attends. Il a pas encore un trésor caché, quand même. Qu'est-ce que tu fous? Il pisse et quoi après la queue? Ok, non mais ça va bien là, je t'ai soigné quand même, on va peut-être y aller, non? Qu'est-ce que t'en penses? Putain, il est content en plus, abruti. Allez, on y va. Faut pas déconner, hein. J'ai une femme, enfin j'ai des femmes, un gosse. On va peut-être avancer. Hein. Allez, hop, au suivant. En fait, j'ai peut-être pas choisi la meilleure position stratégique possible, mais c'est pas grave. Putain, mais encore combien? Ah, oups. Oups. Bon, non. C'est vraiment trop la merde dans le coin. D'où il bloque comme ça derrière? Normal. Couché! Je sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, mais je l'ai empêché. Et dégage! Sac d'os! Viande avariée! Il est mort. Sérieux? Mais c'était censé arriver ça ou... pourquoi j'ai son chapeau sur la tête moi? Merde! Je pense pas que c'était censé arriver ce truc. Mais... bon. On va faire avec. Par contre, ce chapeau est vraiment ridicule. Il faut vraiment que je finisse cette mission. Hein, fait chier. Je sais plus du tout si c'était inéluctable ou si c'était inéluctable. Mais il est con lui aussi, hein. Restez entouré de zombies, là, au lieu de se coller à moi. Ah, après, on meurt, et voilà. Oh, t'inquiète, le chien. C'est pas grave s'il est mort. Bon, le chapeau ridicule, c'est grave. Mais, dans l'ensemble, c'est pas mal. La place. Putain, ils s'attaquent entre eux, carrément, les machins. Hop, hop, hop. L'autre il veut me faire un coup de magie. C'est complètement raté. Bon, vous allez pas faire chier, hein.
prenez ça dans vos gueules, les sacs d'os. Ah, mais qu'est-ce qu'il est costaud, mais en plus il part quoi. Ta gueule. Ben. Il me manque un peu de dégâts quand même, je trouve. Enfin bon, on va faire avec. Il y a une sphère d'expérience par terre. Ok. C'est tout ? C'est arnaque ! C'est arnaque totale ! Bon, tant pis. Y'a rien d'autre, mais c'est impossible. C'est nul ! Oh, mais c'est vraiment les bruitages de Christopher Sia, je suis désolé. Bon, sésame ouvre-boîte. Charlie, où étais-tu ? Oh, j'étais tellement inquiète. Tu es un vilain garçon. À ce propos... Heureusement que c'est ton anniversaire, sinon je te donnerais une correction. Oui, mais... Mais voilà ton cadeau. J'espère qu'il te plaira. Ok. Ah ! Quoique, c'est pas la meilleure, je crois. Mais vous infligez moins de dégâts et vous en subissez plus. Ouais, bon, ça a l'air chier. Ok. Non seulement vous avez laissé le corps de Charlie pourrir dans la grotte, mais vous avez convaincu sa grand-mère de vous donner son cadeau. Vous êtes un monstre. Mais j'ai rien fait, moi ! J'y suis pour que dalle, j'ai pas intérêt à prendre des points de méchanceté pour ça, hein. Le mec, il est mort comme un grand, là. Déjà, monsieur veut le jouer explorateur et tout. 5000 de renom. Que dalle de points de machin, j'espère. Que dalle de points de méchanceté. Ok, bon. Virez-moi ce chapeau. Mais... Sous le vêtement. Merde, je suis con. Couvre-chef. Le bandit, chapeau de sorcier, chapeau élégant, je crois que c'est... Ouais. C'est le chapeau élégant. Je trouve qu'il fait un peu... pirate. Genre corsaire. Truc comme ça. C'est pas mal. Bref. Et le masque de balle, je sais qu'il fait globalement ridicule. Mais c'est du bonus. Donc on va le laisser. C'est comme la barbe et puis les cheveux, en soi, ça me plaît pas spécialement, mais c'est du bonus. J'ai envie de dire, de toute façon, pour le peu qu'on voit la gueule de notre personnage, voilà, quoi. Si on peut avoir du bonus auprès des habitants, ça me gêne pas pour l'instant. Alors, le tubi, le temple uni des bouseux indulgents a besoin de vous. Je le sens mal. Rien que le nom, ça ressemble à rien. Oui, allons-y.